frère Blanc a ta costume, mais voilà, DG. Ah. Esengo mingi ya kozala na bino bandeko lelo penze esengo na mawa bino moko boyebi mais esengo ezali pona yambeli bino monsieur Cable donc na zela ki penza na yamba ye pona ye tokozwa beclairage beclaircissement mwinde kopela pona makambo to koyoka makambo to yoki to ngito yeba analyse ya journaliste monene lokwa Yves Buya esengo mingi Yves Buya ya kuyamba ye. Et c'est mon maman à Paulette Kimuto, ma moule à Ebele. Ma moi, kakata la kaka. Ma moi. Depuis année, alors, ma moule. Il va kenda kende na elem, ça va na poto. Tes derniers voyages na sali limanda, yamboka, date na mois octobre année passée. Ok. Voyage na sali limanda, ya capitale, ya Kinshasa, et là qui. Congrès, il y a qui conclave, je crois, concertation et ensemble. Et ensemble. Na Libandeli à moi à janvier, et puis na Zongi, mais depuis. Ozali. Yangwana na juillet pour tout ça. On s'est manqué peut-être d'emploi du temps. Il y a Yute Yangai. Yuanga nous obéganga, mais Yuanga nous obéganaï. Benga. Tu sais que Zongi est moussala, t'as la Tozongi est moussala. Yute maman. La série de Libis, c'est pour là. On le bague au foot en tabac. Ntaba. Talaga mosala na biso ezali mosala to tondima avec risque et péril ndenge balubaka lobby mokile ningana ki ifuya phytosphère congolaise ningani Facebook ningani TikTok kutu kolobati rapport apesiango enfin otobande kozela depuis des mois conclusion ami bon chéri ben okende ami bomi po balobi alembaki mokile dans la Vémar. Nazana Moutouyo analysa ka. Biso ba journaliste tout le monde a ba détails. Balobi ce sont les détails des agents. Tokota non na ba détails tango balobi ka s'est suicidé. Yves Buya yo mona ki photo wana o ebimaka. Pesa biso ba détails oyo oyo mona ki o ezali ko affirmer, to ezali ko confirmer suicide. D'abord na landa ki passe na motema maman Paulette après 8 mois. J'avais parmi mon pandisango, la boutia pression, pas pression, mais la natara le kambo ya chéribon au kende. Parce que, confrère moi, j'ai un akati. Ou ba kangama, akangama, stani boujakera. Ou à sali, je pense, 8 mois na boloko. Tope si epembo te courage, tosa kaka, ensemble. Bolokotier, le roulangaï, bolokotier. Ba confrère, moussou, je peux m'interpeller ba mon dossier wana. Je cite ici Peter Tiani, Steve Wembe, azasou, akenda, ceux qui exilent, ceux qui voient Perron habité. Et madame Élisée Odia, donc ils arrivent vraiment pression en gars pour que commission Bachia qui est en place, Mbappé Sabiso et Yano, Maïmatali, commission Bachia qui est en place, conclusion de l'enquête na Yango. Ça dérangeait la famille, et vous dérangez les journalistes, et vous dérangez Mboka, la nation mon bimba. Mais l'objet ça dit bombe. Oyo, Minganga ya droit, l'objet qui est sur la conférence de presse na Bangolobi. Bien que le fait une conférence de presse à Bangolobi, je vois les procureurs Issofa, je vois les PGA après à cour de cassation, M. Firmin Mbonde, ça des rapports là-bas. Mais peut-être qu'on a confirmé que dans ma rapport, ça va être plus sûr qu'on fait un commentaire. Je suis dans le monde. Dans le journalisme, quand le journalisme est facile, je peux commenter sur un rapport. Dès que ce rapport est rendu public. Le fait que les PG, les procureurs Vondé, il y a cassation, les procureurs Issofa, Baran, Wazali, conférence de presse, Babengi, la presse internationale, Babengi, la presse locale, Wazali, ba conclusion, il y a Makambo, Itali, Liwa, d'un acteur politique d'Itali, ou la Mouranabiso, qu'on appelle M. Chérubé Okende. Et puis, c'est directement, ipso facto, n'ingisa moyen de commenter sur Yango. Si c'était encore un rapport pas rendu public, non officiel, Misso, tu as causé un peu dans mon bang, tu vas dire, ah, tu as publié, tu as zélamouké, peut-être, tu as eu rapport wapi, et fuité wapi, mais tu as appelé Misso, la qui s'est Misso, source d'information dans Misso. Mais le Makambo est allé, l'Iwa ya Chérubé Okende. La première source d'information est commis
ba procureur wana. La source d'information, les canaux d'information, et comme les procureurs ont basé les conférences de presse, mais Italie, l'Iwa y'a des kéchis qui ont été. Donc, les PCB sont malamment qu'on dit qu'ils ont le droit, qu'on ne va pas dire ça. Tout analyser, mais dans ma fingati, tout analyser, tout bah oui, tout le monde, tout le monde. D'accord, dans le débat, basé que non, ma rapport n'a pas que feu kouloup n'angaï, chéribé aucun des pères à son âme, à Koufaki, qui s'était suicidé. Comment s'était suicidé? Arme, Oyo et Bomie, Oyo Ami Bomelaki, ils avaient la Pembeni, Naïe. Matika qui en gros Pembe, dans le Pembe. Ma enquête, il y a un rapport, ils ont dit, ah, Mouana, et où t'es pas, gars, du corps, Naïe. Souana, ils allaient, ma Kamoyo, ma, mi conduit à justice, ma lobby l'émission. Mais après les informations, vous allez dans le Pembe les bandits. Tant que Chérimé a été assassiné, retrouvé mort dans l'ivoire qui n'a pas, il y avait bah expert mon bayaki. Bah ou t'as dit qu'il y a poto. Bah ou t'as dit qu'il y a poto, vous savez que il y a monoscopé. Mais ouais, puis par rapport à bah sangi signoso. Peut-être bah sangi signoso. Mais bah le blague du sonné nique, d'abord dans le premier rapport bah avec monisco que il paraîtrait le type d'arme où il va retrouver qu'il n'a corps. La chérie balle, balle ne correspondait pas na type d'arme Oyoyo, garde du corps naé, à la guinéenne. Parce que chaque arme est en bas, type de balle naé. Exactement. Chéribé, que c'était suicidé. Au moment où il y a une vidéo, une image, tant que et Bimaki, dans le mois de juillet, je pense, dans un ami qui l'a pas dans le mois de juillet, au moment où il y a une moutou canaï, côté qui n'a pas, l'encriseur naé, il y a une couleur moins, donc il y a une vitre teintée, à chaque fois, il y a condition mort, il y a un véhicule accidenté. Veste était, c'est ceinture. Mais dans les vidéos, on nous fait, dans les images, on nous fait voir que dans le cas de véhicule, il y avait déjà des traces de balles. On parle d'un assassinat. Moi, je ne remets pas en cause ici les conclusions de la justice. Mais j'analyse. Monsieur Firmin vole le cause, non. Monsieur Sofokosi, non. Je ne remets pas en cause ici les rapports de la justice. Mais j'analyse aussi. Sur base des éléments, Oyo, Zouzi, Pessimiso, qui est devenu par un document officiel, passé par une communication, on a une source d'information, Namiso. Alors, quand on dit qu'il s'est suicidé, toi, analyser ma case, c'est trop loin. Et moi, tant que M. Chéribé Okende, avant Mipé Saliwa, autant que ma photo, comment est-ce que tu as Zalaki, et comment est-ce que Elamba n'a ébé Bakila. Pour une personne qui s'est suicidée, peut-être c'est. Beaucoup d'experts en balistique disent, en les voir, c'était peut-être plusieurs balles tirées dans Zotonaï. Donc, si peut-être que les balles qui balles mon corps, ça signifie que les bimaki, ils étaient juste de donner une, deux balles, trois balles. Déjà, des balles, soit kawana. Donc, si vous mettez des balles mon corps au koufi, si tu es de mort, le corps est devenu inerte et que vous avez une arme, vous avez une tirée deux balles. Non, déjà dans mon thème, ça traverse le cœur. La tête ici, tu te trouves le mort. On met tomber dans le bon ou dans le col. Là, tu peux encore te donner une autre balle. Peut-être ça. C'est dans le banani sous le roussal. Tu vois un peu. Donc, peut-être, Azu, Ami Betaki, peut-être Awa. Et puis, Azu, Ami Awa, ici, Mite, Ami Betaki sous deuxième balle pour la hackener totalement. Donc, pour moi, je trouve que. De tous les éléments avancés, sans pour autant remettre en cause Obabengaka, les rapports, les conclusions, il y a commission, ce qui a été mis en place par les gouvernements, mais ils ont poussé sur l'analyse que le schéma d'un suicide ne tient pas la route. Mais pourquoi ni Batonyoso va kondi mangote, Mbakaji va kondi maté, Batonyoso va tout le monde, même Batonyoso, ça n'est parce que au moins les Congolais n'ont pas ils ont du pouvoir toi au moins les gens au Baïbara Chérimo Okende ils tenaient à la vie. Est-ce que Zaki n'a pas l'air suicidé? Il tenait à la vie, il était fier de lui, il aimait la vie. Moi je l'ai pratiqué. Et puis bon il était au fond du sud dans la zone qui a beaucoup de sa famille me dit à Outaka que ça a un check-up d'après ma membre famille. Les gens m'ont donné la check-up. Ça signifie qu'il très entretenait son corps. Et comment cette personne, en même temps, puis encore, s'est suicidée. Nous, au moins, quand ce rapport-là est sorti, de tous les camps et bords politiques, tout va s'opposer dans le rapport Rwanda.
Ça, je ne les mets pas en cause. Mais on a constaté que tous les clans et bords politiques, ils se sont refusés ces rapports politiques, ces rapports judiciaires. Même avocat à famille, on dit qu'avocat à famille, on a un bon ami qui l'a signé à l'objet. Il faut battre avec ça la expertise. Ma paix, ça paye rapport. C'est ça, je vous avais dit, il y avait une contre-expertise. Il y a Bahéma, il y a Monusco, certains agents ont été libérés pour la contre-expertise. Qui avait confirmé, dans le Liban, il y a Makamou, qu'il s'agissait d'un meurtre. Parce que Retouvaka, Badoui, il y a Babal, Nanzo Tonaï. Mais la conclusion d'un rapport, il y a Zouzi, il y a l'obéissance que non, il y a armes, il y a garde du corps. Mais en dernier, il y a un apprendre. Moi, j'avais accompagné une fois Peter Tiani dans le dossier où il y a Kangana, parce que il y a IS mort, il y a des sorties qui venaient du parquet. Une fois, je suis allé l'accompagner au niveau du parquet, il fallait rencontrer un des procureurs dont j'étais les noms ici pour ce dossier, qui siège dans la commission chez Ribon Kende. On nous a renvoyé auprès d'un substitut. Il y a du procureur, dont j'étais encore les noms, pour coûter un aïe. Et puis par après, la Katia Salle n'a pas de justice. On nous dit voilà les chauffeurs de Chéribé, il continuera à présence. Et puis à Kendak. Si le type d'arme, donc on a banalise, le type de balle, soit ma balle ou le bombe Chéribé ou Kendé, ils arrivent à garde du corps. C'est qui le premier suspect? Il faut savoir garder du corps. Mais où est le garde du corps? Azad. Qu'on nous dise où est le garde du corps. Non, moi, au moins que nous avons tronqué. La dernière fois, la monaki était allé signer sa présence. Ma libéra ka est déjà. Mais ma pesa ka condition moko, a kendara a signera présence na ye, ou ma comprenne la kimi, qu'il est là à tout moment la justice. À disposition de avoir besoin pouvoir avoir besoin de lui, mais à la disposition de la justice. Il partait signer sa présence au palais de justice. J'étais avec Peter Tiani pour son dossier. Puis dans le cas de chez moi, il fallait pas l'ongola. IS intention de sortir parce que dès qu'il m'a auditionné à Peter Tiani et que toutes les personnes basées qui impliquées dans le dossier, il y a chez moi au Kenya, les parquets avaient écrit la DGM. Bon, c'est quoi? Ah ouais, pour que bah, toutes ces personnes m'ont bimaté. Alors, mais Peter Tiani, après que j'ai auditionné, il m'a dit qu'il fallait classer ce dossier. Moi, ce sont les avocats, ma paille des juges, m'ont dit que non, voilà les chauffeurs de chérubins. Azalaki, ceux qui n'ont IP crime, je pense que crime, avant que, je ne sais pas ce que c'est Maka, mais il m'a libéré. Mais ailleurs, Akaka n'est pas substitut. Il y a un bureau, il y a un procureur, il y a un paille des justices, qui est pour signer sa présence. Alors, si c'est le massi, dans ma conclusion, Oyo, ma Zouzi, ma procureure, ma pessimiste, moi, la première question que je me demande, et qui m'a lobby, que non, il s'est suicidé, dans l'arme, il y a garde du corps. Il peut s'agir de quoi? Parce que la moutouka, la garde du corps. Ouais, c'est suicidé. A-t-il une garde du corps? Ah, yokende, n'a pas de problème. Et le garde du corps, peut-être par imprudence. À tiki arme, et que lui, chez lui, ben, a fait intention de se suicider, a eu un mois, ami Boma qui. Soit peut-être, garde du corps, il a volé les larmes de son garde du corps, à Kenayango, à Tamboy Nayango, il est allé se donner la mort, na Kingabwa. Na Poilou. Donc, à Tamboli, en volant, en prenant l'arme de son garde du corps. Peut-être, c'est des hypothèses que j'avance. Parce que ça dit que le type de balle bombier va retrouver Isali Yaga du Cornaille que lui a pris pour se suicider avec ça. Donc, si tel est le cas et que Chéri Ben s'est donné la mort na arme Yaga du Cornaille, le premier suspect doit être qui? Son garde du corps. Alors, si le premier suspect est son garde du corps, il faut que la justice nous dise aussi. Dans ma conclusion, en toute analyse, je ne remets pas ici la cause. Ils sont des sociaux remettre en cause. C'était pas mal. Non. Moi, je ne remets pas. Il faut aussi que. Pratique, c'est une analyse. Il faut se dire que non, comme arme Oyo, le type de balle, il s'est retrouvé dans le corps de Chéribé Okende, où il y a garde du corps. Dans l'enquête préliminaire, les premiers suspects, bien qu'il va jouir d'une présomption d'innocence, les premiers suspects doivent être son garde du corps. La juge nous dit où est le garde du corps. Yves Bouya, Yabou. C'est quoi ce qui va être ici, ce que papa l'a dit, chéribin au Kende? Ou tu sais, Kolinga Ming, Gakou Tukomona, Souka, Nabona, qui est à qui réunion, il y a parti naïve.
awa balobi yemo kwa mipesi liwa. Donc il est le seul coupable. Donc wana baza ko dédouaner na bandi ko tanga ba dédouaner Stanley Mujakela ba ko dédouaner ba tonne so bandi ko tanga bazali garde du corps ba ko dédouaner ba service ba ko dédouaner ba tunyoso. Donc le seul coupable de sa propre mort, c'est Chérubin. Donc ba ko bimisa la biso le seul coupable de sa mort, c'est Chérubin. C'est Chérubin. Donc ba tunyoso malheureusement un mort ne parlait pas. Aïe. On dit paix à son âme. Je vais pas commenter ce que les réseaux sociaux disent, la justice de Dieu y en a. Donc, quand tu as des dentés, mais je vois dans les réseaux sociaux. Mais, question des actrices, c'est vraiment une très bonne et belle question. C'est... À l'idée où, ma conclusion est salée par la justice, après 8 mois d'enquête, la commission OE, checkée en place par le gouvernement pour enquêter, pour la Marali Mouliwa, il y a Chérima Okende, ça signifie que non. Il faut dédouaner des responsabilités. On ne sait pas c'est qui les responsables, c'est qui les coupables, on ne sait pas. Alors, moi, dans mon imaginaire raisonnement, je pense que c'est un schéma qui peut aboutir peut-être à l'acquittement, soit à la libération de notre confrère Stanley Mujakela. Parce que ça va prouver, noir sur blanc, que Nakati, il y a reproche, grief aux justices et poursuivant Stanley Mujakela, qui a été plusieurs fois auditionné par la commission. Robot, appelle les sous-soins. Ça peut être un mécanisme, une sorte de manœuvre à mon robot. Okay. Il ne fallait pas libérer Stanley avant que. Sans que. C'est dédouané dans ma campagne. Répondre à mon final. Tu vois? Donc, on va aller dans un élan où il faut dédouaner les responsabilités. Des parts et d'autres. Quand je parle des responsabilités, c'est des parts et d'autres. Tout le monde. Donc, c'est vrai que non, le rapport où le parquet est sali, le parquet veut dire que Chérubin est responsable de sa propre mort. C'est ça un suicide. Donc, il est responsable de sa propre mort. Donc, il y a mort à Monique et à l'Embi Naevi. L'excès que les rapports, le parquet veut nous dire que à l'Embi Naevi, peut-être qu'il y a un document pendant la perquisition incarné. Il y a agenda sur il y a la mort, peut-être sur base de. Donc, les rapports ont dit que lui-même, à Monique, a mis Pessi Niwa et qu'il n'y a personne qui a concouru à sa mort. Tu vois, un pays mort, ce n'est même pas une mort naturelle. Mais lui-même a mis Pessi Niwa. Donc, c'est de dédouaner les responsabilités, des parts et d'autres. Donc, pour le cas d'Estani, c'est pour dire qu'à la limite, tu vois, ma précieuse Selema qui demande de liberté de provisoire par Mavoka Nae, ma Boyaki, ça peut être une stratégie, il y a parquet, pour vous dire que non, il ne faut pas faire les choses en amont pour sa libération, faisons-le en aval, le parquet, et puis c'est ma conclusion Nae sur les rapports d'Estani. De Chérubin Okende. Maintenant, jour et Golanda, ça peut être pendant, avant ou l'après-enterrement, il y a Chérubin Okende. Vous allez voir comment est-ce que les choses vont s'activer, vont s'accélérer sur la libération de Stanley Mujakela. Donc, en un mot, ça signifie quoi? Que même dans ma conclusion, dans ma rapport, il y a parquet, ça stipule, ça dit directement que. Sans être cynique, Bouya. Que le malheur des uns fait le bonheur des autres, sans être cynique. Oh, balobi toko sepe, là-bas, journaliste, c'est tout bisoto, rose la penza, libération et Stanley Mujakela. Non, ça peut être une stratégie, d'abord, c'est pour dire quoi? Pour que dans le rapport, où le parquet sali, ça dédouane aussi également Stanley Mujakela. Exactement. Qui n'a pas été l'auteur de plusieurs articles dont la commission est beau reprocher. Des deux, c'était où on lui reprochait d'avoir mis en contradiction deux services de sécurité et que. Article à Komaka, la jeune Afrique, et c'est là qu'il était, on les dédouane complètement. C'est aussi une stratégie pour dire que nous sommes là, et qu'on peut, tout le temps, dans le chemin de Boye, clamer jusqu'à là, ils allaient, la clameur est à Makassi, après rapport, il y a parquet, la clameur est forte de toutes les tendances, de tous les morts politiques, et que ce qui va inhumer Chérubin Okende, et que ce qui puisse étouffer l'enterrement, l'inhumation de Chérubin Okende, ça peut être une autre clameur
qui va concourir sur la libération de Sani Boujaker. Je pense. Mais autant qu'il a habité les lois. Ça peut être ça, ça pour ça pour analyser, hein, pour c'est vrai qu'il y a une analyse. Donc ça peut être une clameur, donc comme on dit en journalisme, l'actualité c'est sur l'assassinat de Chérimon Kende et que la clameur va rester, mais quand maintenant, à l'avant-veille de l'inhumation de Chérimon Kende, soit après son inhumation, au moins on peut sortir Stanley Boujakira pour un peu étouffer ses... C'est brouhaha. Mama Kelelo autour il y a Liwa. Na uti kotanga papa Claudel Lubaya na pesi embote mingi. Papa Claudel alobi a l'impression que ba méthode ya Mobutu yango de toko vivre sous Tshisekedi, imposer la terreur, susciter la peur et réduire au silence toute opposition à son pouvoir à l'instar de Mobutu, l'homme seul, l'autocrate, le méchant, le dictateur. Est-ce que ça pensa à solo? Penza, moi, je ne peux pas confirmer à 100% c'est que l'honorable André Claudel Lubaya lobby, mais on peut, comme journaliste, on a observé ma fée, il y a société, ma fée sociétale, ma Italie société naïe, on peut dire on tend vers ça. Non, mais ton comité ou on tend vers ça? Non, on tend vers ça. Et on est, nous sommes, en plein pied dedans. En plein pied dedans. Pourquoi? Dans la institution Mboka, comme l'Assemblée nationale, du temps des régimes de Kabila, on nous avait dit que l'opposition avait plus d'une cinquantaine de députés. Mais dans l'Assemblée nationale, au lieu. C'est les 5%. 22 députés, c'est les 400 ceux qui combinent. 477 sièges, 22 députés. Quand même la dictature, on est dans sa dictature la plus farouche. Mais quand Otali Kota Oyo, l'opposition avait dans l'Assemblée nationale, c'était au-delà d'une cinquantaine. Ça même, dans sa mosaïque même l'opposition. Mais dans, sous les règnes de l'UDPS, dont le fils est né des entrailles de la lutte de l'opposition, le président de la République, qui a toujours prôné la démocratie. Mais on va dans une opposition où tu trouves que l'opposition est quasi inexistante au niveau de l'Assemblée nationale. Ça sera quel débat? Pourtant, c'est dans l'Assemblée nationale où on voit que la démocratie vit. Quand la CAI Assemblée provinciale, il y a Kinshasa, il y a Moga. Il y a même un sens unique. Sens unique. Donc, nous avons maintenant le débat que nous faisons vivre sur la ville entre Jean-Yan Goubé. On va tout sentir en montée. Sens unique. Quand le cas aujourd'hui, il y a ma manifestation publique. Ça pose problème. Je vois les présidents de la République ici. Je ne veux pas dialoguer avec Kagame, avec les M23. Je suis d'accord. Ils avaient ma parole dans le bas qui prend la campagne. Mais bien que la dynamique interne, les choses évoluent. La moindre escarmouche, au bus grand, on a Fatih Béton, on a continué la guerre. Donc, là, la somme de la chambre, on a été. Mais c'est des paroles, paroles, des propos, des campagnes où il y a une frange de Congolais. Bah votera qui s'est dit pour que Assili Sabi oui mais aux autres bosses en a qui bino bosses que l'obéissent à propos des campagnes mais bango na ngambo kuna bazongo propos des campagnes c'est ça que j'ai dit ils se sont protégés c'est ça que j'ai dit bah Assili bah corps na bah polonais c'est ça que j'ai dit biso tu as les propos des paroles tenus par les présidents de la République qui devaient s'exécuter yamba le maman Paulette Kimutu les temps et les meilleurs alliés de toutes choses et de toutes circonstances. C'est le deuxième nom de Dieu. Le temps. Le deuxième nom de Dieu. Voilà maintenant comment est-ce où nous sommes, où le président de la République avait promis pendant la campagne qu'il est prêt à faire la guerre, il est prêt à la moindre escarmouche, et que tu commis sur quoi, à une deuxième mandat. Maintenant, le peuple va voter. C'est la maloba, c'est la maloba, c'est la maloba, où le roi nous envoie un obus ici, nous sommes incapables de voter, à tel il s'agit pas de notre d'Akuna. Mais le président de la République, quoi, le bain de son nom, on s'en a qu'à gamété. Les gens ont raté. La cohésion nationale pose problème. Moi, j'allais voir le président de la République refuser de parler avec Kagame. Mais vous parlez avec Mukwege ici. Mais tu as dit que Martin Fayoulou a sali le premier pas à l'objet. Il y a un appel à Kosovo. Non, 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 non. Fayoulou a sali le premier pas depuis Séni. Photo à la baganga, voilà. Fayoulou a sali le premier pas depuis Séni. Mais pourquoi il y a un solo, hein. Maman Paulette.
Le vieux Martin Fayulu m'a dit, à ça la première pas, depuis la CENI, la rencontre va quand même. Ah, c'est là formaliser. Le premier pas, ça m'a déjà. Il ne faut pas chercher les poux sur la tête d'une personne chauve, non. Donc, moi, je voulais voir le président de la République. Les paroles qu'il avait lancées du temps de la campagne. Dans son Kagamete, dans son Rwandaté, à la moindre escarmouche, boué. Maintenant, là, maintenant, c'est le discours qui change. Je suis prêt à rencontrer Kagame. Non, le président de la République, ma parole, Athéna Kiwana. Je ne vais pas parler avec Kagame. Je ne vais pas changer avec Kagame. À la moindre escarmouche, il devait maintenant renforcer la cohésion interne. La cohésion interne, c'est quoi? Tu refuses de parler avec les M23 avec Kagame, tu renforces la dynamique interne. Tu vas vers Fayulu. Tu vas vers Mukwege. Tu vas vers Katumbi. Tu vas vers Matata. Tu vas vers Seth Kikuni. Non, il a été candidat président. Non, mais nous sommes républicains. On a que ça compris. Non, bah, lobby, mais bien, tout est-ce que tout ça, c'est une opposition? C'est la grande question. L'opposition, est-ce c'est que pas. Ça existe? Maman, moi, je me suis toujours opposé à cette opposition. Balobi, on a réussi ça, cette opposition armée. Balobi, tu réfléchis froidement. Ouais. Balobi, tous ont dans le passé. Pour toi, aider Banambo à comprendre. Opposition à IDP, c'est bêta combien de mboula, au bout de toi, Babi, on y a l'ongola qui m'obout, et ça qui m'auto à Simba qui m'obout. Ça, c'est tout ça là, nini. Tondi Mayago, ben c'est la vérité. Le tombeur de Mobutu, c'est Mzé Kabila qui avait une opposition armée. Balobi, est-ce que opposition Oyo, Oya Maloba, Yaba Français, Yaba Seth Kikuni, Bataba Français, Yaba ya Katumbi, Batu Baloba Rate, Yaba Delice Sanga, Yako Komaka Manini, est-ce que qu'on réussit? Est-ce que opposition Wana, Yango Wana Ndeko, Mama, on réfléchit un peu. Mama Paulette, Nga Naza républicain, Naza Mwana Mboka, Naza patriote. Moutou a si mamando qui pona mboka baba tout. Oh. Jamais moi je peux soutenir Batouba si mamando qui pona mboka. D'accord, Jean-Pierre Bemba baba tout. Baba tout. Oh. Question on répond de nga wana. Au moins, quand moi Jean-Jacques Mamba Sali. Ah. Zana c'est ma dynamique wana. Oh, aussi c'est bon on répond. Dans ma maman. Donc le président il a rediscuté la Rwanda, il fallait créer une dynamique interne. Mm-hmm. Il voit Kagam, il voit Mukwege, il voit Katumbi, il voit Matata, il voit Seth Kikuni, il voit tout le monde pour leur dire Baba Mboka, c'est quoi la Fayulu. Je refuse Kagame. Je refuse tout. Je dis non, pas avec Kagame. Je discute pas avec Kagame. Et puis, le temps et les moments changent. Je suis prêt. Mais la cohésion interne, si aujourd'hui les membres vont dans la rébellion, c'est pourquoi? Ouais. C'est peut-être qu'il y a une frustration. Peut-être que je condamne ça. Mais sur la frustration, t'as la rébellion. Quand on a des très mauvaises élections organisées sur le plan interne, ça crée la frustration. Comme il y a une question sur une opposition qui touche aux arts. Moi, le cas de Jean-Jacques Mamba ne m'étonne pas. Oh, tel père, tel fils, n'est-ce pas? Mais tel père, mais. Ouais, j'ai dit d'un. Moi, ça me. Maman, et quand on a Aden, il va congoler. Ok. Pour prendre le pouvoir, il faut que tu touches aux arts. Papa, tu sais ce qu'il dit, Wamoulou. Dans sa lutte politique. Il y a des photos qui prouvent, je respecte ton combat, mais ça n'est pas pacifiste. Mon monde a photo, papa, tu sais qui dit avec les RCD Goma Vrofou. Ezali. On a monté. Ezali. Qui est derrière, papa, tu sais qui dit? Ezali, Roubaix Ouate. Papa et Tchèque, tu sais qui dit. L'UDPS qui a dit mener une lutte à pacifique pendant 30 années. Mais il y a eu des moments où papa et Tchèque, tu sais qui dit, avait pactisé avec les RCD Goma qui tuaient nos compatriotes. Les Mataniwa, Mataniwa, non? Je pense, hein, toutes ces têtes-là, papa, tu sais qui? À Kenya? Non, ambassadeur à France, c'est quoi? Emile Ngoï, pas à Kenya. Emile Ngoï, tous, ils étaient du RCD. Oui, Koufa, comment M23? RCD Koufa, et bon, t'as marqué, t'as regroupé, t'as soutenu politique, vous savez? Il changera à combat. C'est le même tête. Papa Etienne Tshisekedi, Nabi Toumanaye, il y a lutte pacifique à Kenya, à Sima, à Partiza, avec un régout, une nébuleuse, et au moment de l'autre, c'est le RCD Goma. L'amour, papa Etienne Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba. Aslani, vrai faux rébellion. Nazar est l'office premier. Aslani, la rébellion. Oui, Nazar est l'office premier. Tu sais qu'il y a, au moment du débat des pères et des mères, c'était des pères et des mères.
Jean-Pierre Bemba, avant Diawa, a créé rébellion, a kangi une partie à Mboka pour l'Équateur. Financé par qui? Soutenu par qui? Par l'Ouganda. Il est qui? Des pères et des mères. Jean-Pierre. Au bout, il est des pères et des mères. Jean-Pierre Bemba, Azui, il est allé faire la rébellion, vrai ou faux. Soutenu par qui? Par l'Ouganda. T'as là ma photo naïe. Derrière vous, c'est venu à l'aéroport à Guano. Ça lui a valu quoi? Fouiller l'histoire. Ça lui a coûté quoi? Il faut dire la vérité. L'histoire. Je reviens, Jean-Pierre Bemba. Et puis, qui l'a soutenu? Mousseveni. Un des pays qui a agressé Mboka Lelo. Jean-Pierre Bemba. Vrai ou faux, la guerre à 6 jours à Mouna avec des Congo des pères et des mères. Jean-Pierre Bemba. À Mouna contre Moussa Niamoussi. La guerre à 6 jours qui s'engage. Oui, mais côté. Entre pays interposés. Hein? Oui. Mousseveni, un qui c'est Moussa Niamoussi soutenu. Je passe par les Rwanda. Jean-Pierre Bemba soutenu par l'Ouganda. Parce que la guerre, il y a 6 jours. Plus de 2000 morts. Ben Makoufa. Ma Rwandais ou ma Congolais. Ma Congolais. Roger Lumbala, la guerre il y a 6 jours. Il avait fait allégeance à qui? La guerre à 6 jours, Roger Lumbala avait soutenu Jean-Pierre Bemba contre Moussa Niamoussi. Ah, ça peut arrêter. Paris, Kouna. La raison de la loi, ça ne tombe pas. Roger Lumbala, récemment, il s'est arrêté, le tribunal, le procureur d'appel de Paris confirme les greffes contre lui. Vos faux, Roger Lumbala adhérent à M23. Ah, ça qui n'a M23. Vos faux. C'est ça vrai. La vie au M23. Vrai ou faux? Vrai, la vie adhérent au M23. Dans le contexte politique actuel ici, maintenant là, comme on dit à Paris, n'importe où, là. Tous les membres du gouvernement que vous voyez là-bas, je les vois faire comme ça. Vous n'agissez pas. Vous dénoncez. Vous dénoncez. Vous vous mettez à la dénonciation. Vous êtes d'accord, mais le Rwanda nous attaque, vous comme ça. Il y a communiqué. Des ministres dans ce gouvernement. Oh. Qui est dans la rébellion? On est en Rabango? Tangaragati. Jean-Pierre Bemba. Moussa Niamoussi. Moussa Niamoussi. Oui, ils ont de la rébellion. Pas en bosse au terrain. Tu es en gouvernement. Bosse, on va dire quitter les groupes armés. Il y a dans ce gouvernement des ministres qui entretiennent les groupes armés. Vous ne savez pas. Il siège au Conseil des ministres. La duplicité interne. Il y a dans ces gouvernements des ministres qui ont pour deuxième femme des Rouennais, Rouennaises, Ougandaises. Vous voyez bien monter. Mais tu leur trouves là. Comme ça. Mais comment ils vont gagner la guerre? Tant qu'il y a des duplicités à l'interne. Un ministre, il se dit, je dénonce, les Rouennais nous tuent. Sa troisième femme, c'est une Rouennaise. Sa deuxième, c'est une Ougandaise. Ils ont des enfants par mixture. Donc, ça ne va pas là-bas tout. Jeune femme congolaise, mais pour espérer qu'on va pouvoir recevoir des mèches avec les Rwandais, parce que les Rwandais, aujourd'hui, les gens pensent, pour avoir le pouvoir, il faut passer par les Rwandais, il faut avoir une deuxième femme rwandaise, une troisième femme ougandaise. Comme ça, j'ai des enfants par mixture. Mais ils sont dans les gouvernements. C'est ça, malheureusement, les Congolais, maman Paulette. Alors, dis-moi, comment est-ce qu'on va finir cette guerre? Tant qu'il y a des ramifications à l'interne. Et c'est des Congolais qui se disent des pères et des mères. Jean-Jacques Mamba, il est qui? Hein? Est-ce que bateau au Congo soit papier na yo papa? Non, merci. Est-ce que bateau a colobasi balobi? Il y a ça le roi mona soso baloba na et pas na biso. Soit moni mona soso a ko vimba la nzungu. C'est que loko ya na maman ni azana simba. Maman Paulette. Nani azana simba? Maman Paulette. Balobi il est qui? Il représente quoi en RDC? Qui est derrière? Maman Paulette. Moi je vous dis ceci. Les trahisons, les ramifications à l'interne. Les alliés belés. Et il y a des Congolais qui animent cette guerre-là. Bisomoko, hein? Bisomoko. Parce que belé. Arrêtons de dire les Rwanda non. Et les Rwanda utilisent cette faiblesse-là. Bisomoko, Bisomoko Congolais. Qui pensait voir un type comme Corneille Nanga? Congolais de père et de mère. Famille et Yébani. Souna Aru, souna Doumou. Soit Ituri. Mais les qui n'est pas Yambaki, hein, dans mon côté. Oui, mais qui pouvait penser, qui pouvait imaginer à Kéwapi? Ada Chanoué, des pères et des mères Katangé. Il n'est pas à Rouna, hein? Ada Rouna, Jean-Jacques Mamba Kassayen, des pères et des mères.
Est-ce que ça va frustration tenir en zone au Je t'ai dit. Quand on a des mauvaises élections organisées, quand on a le népotisme qui s'installe à la tête du pays, quand on a le clientélisme à la tête du pays, quand on a la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion à la tête du pays, les conséquences, c'est ça. C'est là que je me présente la République, monsieur le président, arrêtez de dialoguer avec Kagame. Vous avez déjà dit que Nala Kagame est au fondé, Tina Rokoufa. Mais pourquoi ils ont ce oiseau noyé? Moi, je veux le président de la République prendre son bateau de pèlerin, aller chez Fayoulou. Mais à quel pays qu'on a à Bruxelles? Mais là-bas, c'est maman. La guerre, il y a Est. Comme nous impose cette guerre, la maman, Missomoro, comme nous impose cette guerre, nous devons cette guerre. Nous devons faire cette guerre. On doit arrêter cette. Pour ce problème, il y a Rolobaga. Ote, les rois, non, Missomoko. Les présents de la vie, il y a un peu de temps. Comme on a vu que la solution n'est plus Kagame, comme on a vu que le blague n'est plus Kagame, la solution n'est plus Kagame, Kagame n'est pas un patron fiable. Il faut créer une dynamique interne, une cohésion interne entre nous, Congolais. Mais malheureusement, cette cohésion interne, c'est pourquoi? Parce qu'il y a des ramifications. Guerre à Est comme à COP. Je vous donne le cas. Tu sais que c'est que c'est Rouba aujourd'hui? Ah, Rouba, ils ont mis ça la mine en négociant la terre. Rouba est comme réserve. Réserve, il y a coltan. Réserve et à coltan. Et il y a une guerre, grande guerre entre les Rwanda, la BRICS, avec l'Afrique du Sud et les Américains. Maman. Et des Congolais sont dedans. Des Congolais, maman, des Congolais. Si nous sommes Congolais, nous sommes dans la guerre. Mais l'essence, il y a patriotisme, Zad. On a déjà vendu le pays. Vous avez suivi Chiwewe vous dire ici qu'à chaque fois que l'état-major tient une réunion, 2 minutes, c'est belé. Donc, on ne peut pas finir cette guerre dans Maloba. On a des duplicités. Il faut réformer l'armée. Pour réformer l'armée, il faut qu'on réforme l'armée. Il faut qu'on nommera pour être qui monte au général, chef d'état-major. Non. Les moyens, l'âge à la retraite, les hôpitaux, bien équiper l'armée. C'est une réforme. C'est une réforme à moi-même. Le recrutement, c'est une réforme. Est-ce qu'on a cette armée-là pour faire la guerre au Rwanda? C'est des questions que nous devons se poser. Merci, papa. Donc, c'est pour vous dire, maman, que les cabos, ils n'ont pas si monté. Ils n'ont pas si. Ça nous prendra le temps que ça nous prendra, même des générations. Mais il faut si là. Il faut si là. Ça nous prendra le temps que ça nous prendra. Et je pense que la génération, sa guerre, est la génération de la bisouté. N'est-ce pas, maman, mon conseil, ça ne sera pas notre. Je peux le donner au réseau de ce côté-là. Ça ne sera pas notre génération. Notre génération, tu as inquiété, maman, sur la COP. Il y aura donc un veto, donc, vous savez, la COP. Il y aura la COP. Carrément, il y a la COP. Maman, un veto comme la COP, non? Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Il y a un veto, sa COP. La plus au cas, il y a Roubaïa. La plus au cas, il y a Bounagana. C'est que si on a gagné de l'or. Je pense qu'on va finir cette guerre. Toi aussi, ça n'a pas qu'un bon gouverneur. Le président de la République a tiré ma réunion qui est dans la Rwanda. Ou à qui Sadek. Ou à qui Abidjan. Non, le président doit nous écouter. Parce que nous, on l'aime. Moi, toi, c'est un président qui m'a fait tellement l'invité. Je dis ça au président de la République. Les gens qui vous appellent Fatih Beta, Moukatombolo, Mouamai, Fatih Beta, Moukatombolo, Mouamai. C'est des gens qui les flattent, nous, pour la vérité. Le meilleur ami, c'est lui qui châtie bien. Monsieur le président, quand je suis à la réunion, on a dit. Tous ces chefs d'État africains sont hypocrites. Comment est-ce que nous sommes. Tout le monde a dit ça, Béba. Là-bas, on suit l'Union européenne, vous signez un contrat sur les menaces stratégiques et les matières premières. Ok, qu'on appelle. Ça, pour dire quoi? Totika, ma sommet à l'Union européenne, Totika, ma SADEC, Totika, ma Addis Abeba, ma Luanda. Luanda est des nains joueurs de Zopoura. Pour les ports de Lomito. La route de Lomito. Tout ça, ton grand père à Karate. Hein? Mais oui, mais ça, c'est bénéfique. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous. C'est pour les intérêts des Angolais. C'est pour les trains, la route très raide de Lomito. Qui sera bénéfique pour l'Angola. Et puis le pétrole. Il y a moins, il y a Congo central. L'implication et tout comme ça. Totika, Bassomé, Sadek, Union européenne.
toti kayango qu'on reste ici, qu'on travaille l'interne, qu'on soit à l'interne, on fera cette guerre. Tous ces sommets, depuis Banda, et à rapporter rien, tous ces pays africains, tous ces pays occidentaux ont toujours été hypocrites envers le Congo. Donc, si ça a marqué dans moi, sujet, papa, mon salaire, sujet, ni sous, Kinshasa. Kinshasa, ma vie, l'élection, ils ont un Dongwana, l'élection, ma gouverneur, ils ont un Dongwana. Oh, Dongwana, ma cache. Nani a candidat gouverneur. Kuna? Eh. Ma maman, elle a composé ma grande gouverneur. Oh, ni sous. Là, ma information, la joie qui. Câble. Petit niveau, Deo Kasongo. Oh, Deo Kasongo. Eh. Là, la plus d'informations, vous t'êtes, hein? Non, pas ça. D'abord, vous allez balader. Ben, voilà, soit qui, le président de la République aurait instruit déjà Augustin Kabouya pour la candidature, il y a Deo Kasongo. Oh, Divo, tu penses un bon timing. Candidat, il y a UDPS. UDPS. Ok. Acté. Il paraîtrait Augustin Kabouya ben capé, bah, candidat, il y a UDPS. Mais c'est en Batika. Batika. Notamment d'après mes sources, j'apprends, j'ai Koko Moulomba. Ok. Qui voulait aussi la cortège à UDPS. Il n'est pas ça là. À remplacer. J'ai Koko Moulomba. Boten. Gentil. À la suite de Makambouana, l'UDPS, Kabouya a exécuté Malouba Oyo. Mokonzamboka Lobeli. Il a accepté en Diminaï. Ma source d'Angaï, Divo Kasongo est soutenu par une grande firme turque. C'est un grand lobby. C'est lobby qui aurait porté sa candidature. Okay. Par rapport, il y a Vidé Chimanga. Par rapport, il y a Diabanza Monanene, qui est un ami. Par rapport, il y a un certain monsieur Louba, qui est une certaine dame. Mais, en dernière minute, il m'a dit que je suis un peu compliqué. J'ai suivi ma fédération UDPS. Ma lobby, non. Nous devons porter candidature, pas d'un fils maison. Non. Non, pour l'UDPS, les choses de Deo, Deo n'est pas un fils maison. Mais, on ne peut pas soutenir. Quatre fédérations, mon gars. Quatre fédérations. Une personne qu'on ne connaît pas. Celui qui nous bat. Voilà. Nous autres, on ne soutenir rien. Et l'autre état, j'ai suivi une autre vidéo d'une autre fédération, M. Soudépès soutenir Diabanza pour dire que c'est notre candidat. Oh. Tu vois? Donc, maintenant, l'UDPS est écartelé. Malgré que le chef, le président de la République, ait donné instruction, d'après mes sources, pour Deo Kasongo. L'UDPS elle-même dit, nous autres, on a dit, Deo Kasongo est reporté. En tout cas, on va continuer à partager mon point de vue. Donc, Deo Kasongo, c'est une candidature, il y a un intérêt dans l'UDPS. Une candidature d'affaires. Quoi. D'affaires. C'est pas mauvais en politique. Oui, réalisme. Ça se joue en politique. C'est très normal. Okay. Des on met de l'argent, mais on investit de l'argent. Mais tu as vice-gouverneur, il y a UDPS. Peut-être, mais ce n'est pas mauvais. Il y a les Turcs, on dit quoi? Nous, on met l'argent, on met les moyens, on investit. Pour la vie de Tonga Kinshasa. Mais il faut que tu aies un mouton pour contrôler l'intérêt de la mission. Pour la firme turque, la personne, c'est Deo Kasongo. En politique, c'est très jouable, mais c'est normal, vu le contrat que le Congo a avec la firme Univest. Ok. Ou Tonga Mitsou, à ton aéroport. Ah, on peut passer à l'aéroport. L'aéroport, okay. Moi, j'apprends que c'est 1,2 milliard, c'est beaucoup. La Côte d'Ivoire va organiser toutes les infrastructures avec 1,2 milliard. Nous avons tourné l'aéroport à Djilouana. On ne peut plus construire d'autres aéroports dans la périphérie à Djilouana. Il faut aller au-delà de Djilouana, dans ma taille. Tu vois un peu. C'est très normal pour dire que des ports, il faut protéger l'intérêt là-bas. Pour eux, c'est très normal la politique. Mais maintenant, le problème, c'est qu'on se pose au niveau du parti présidentiel. Les partis présidentiels vous lancent deux candidatures. C'est Diabanza Mwananene avec un certain monsieur Loubaki. Et tu ajoutes encore, en liste, dans la course, on a un très proche ami du président de la République qui est Vidé Chimanga. Nakati Ope Mwamouke, Naïb Samino, cinq potentiels candidats premier ministre. On va vous succéder dans Jean-Marie. Jean-Michel. Jean-Michel Samaloukoni. Jean-Michel Samaloukoni. Donc, cinq Bazali. Vital Kamerhe, UNC, Augustin Kabouya, UDPS, Augustin Matata Ponyo, LGD, Jules Alinguette, IGF,
Jean-Pierre Liaou, UDPS PVZ. Donc, je pense que moi flash, hein. Moi, il y a déjà que les 5 là, na kati na bango. Na 5 là, il n'y aura pas un premier ministre dedans. Oh, câble. Kamere, Kabuya, Matata, Alingeti, na Liaou. Alingeti ne sera pas premier ministre, il va rester na IGF. Ok. Son âge, je l'ai checké en difficulté à prématurable. Ok. La classe politique n'a pas adoré ça. Mais le ministre, on a bâti campagne pour le chef, pour Mouni. Il commence à premier ministre. Vital Kamerhe prendra plus les perchoirs en l'Assemblée nationale, sauf changement de dernière minute. Ok. Kabouya aux premier ministre, ça fera des trous de Kassaïens au sommet de l'État. Le président de la République est Kassaïen, Kabouya Kassaïen. Quand on va continuer soit dans l'intérieur, soit à cause de la poste, il y a premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ok. Il y a encore qui c'était encore là, s'il te plaît. Liaou. Liaou, ça peut Bazo marcher. Bazo, lui, c'est lui le favori. Liaou peut marcher, il est de l'Équateur. Ce qui Kamerhe à Zui, qui est de l'Est, à Zui, perchoir de l'Assemblée nationale. La primature qui est soit dans l'Ouest, et vous avez la Congo centrale, tout l'Équateur. Alors, Liaou a un problème. Liaou a une expertise, c'est encore un enfant. Ah, il y a de la fonction publique, bah, comme si il y a un enfant. Il y a un show, c'est un showman. Quelle expertise il y a où entre mon coco et ma tête, entre les deux. Ma tête, je ne veux pas être premier ministre. Quoi, ni à ça sera difficile dans l'UDPS. Ah, bon, on y est là, on les porte difficilement dans l'UDPS. L'UDPS va venir à rabattre tout, hein. Pour l'UDPS, la primature doit revenir à l'UDPS. Maison UDPS. Est-ce que tu vas appeler la moto? Il y a. Comment est-ce que ma tête a pogné? Il a un messie à mettre dans ma bouille. Messie à mettre dans ma bouille. Tu vois? Donc, dans cette liste-là, il n'y aura pas un premier ministre. Pour Kinshasa, je pense que c'est très chaud. Très chaud. Si le président de la République gère mal les dossiers à UDPS, ma frustration est réelle. Vous avez ma casse, ça risque d'éclater les partis. Mais. Laisse-moi parler un truc, maman, la talentaine, on va te chuter. J'ai deux, trois petites choses hein, en deux minutes. Les premiers dossiers, ils apportent au niveau de l'Assemblée nationale. Ah, on a peur. Hein. La gestion des Mbosso. Pas Mbosso, Pepe Mbosso. Pepe Mbosso, 83 ans. J'apprends, non? Ah, à quoi il était? Mbosso, il fait des guerres comme pas possible. Non, non, les choses. Nabat. J'apprends déjà avec Louis Bahati, ça ne marche pas. Oh, le vice-président. Il y a Bahati, il y a Simbate. Parce que Bahati, c'est au fond d'Aïe. Ah. Il y a un député d'Aïe. Il y a fausse jurisprudence sur le mandat impératif, non impératif des députés. Bahati, il y a un fond d'Aïe. Il y a un fond d'Aïe. Pepe Mbosso. Ah, ok. Député d'Aïe. Pour et à comment, présent, il y a l'Assemblée nationale à remplir. Mais Mbosso, je me suis rappelé, présent de l'Assemblée nationale, ça s'est déjà calculé. À Ozasou, présent de l'Assemblée nationale. Non, non, je dis, c'est Vital qui vient là-bas, non? Vital Kamerhe. Il faut t'entendre tout, Maragami, tout. C'est Vital. Chaque changement, c'est Vital Kamerhe qui vient là. Les appels choisissent. Nous, c'est le problème avec assistants parlementaires qui ont d'ailleurs écrit au président de la République. Pour le même pays, là-bas. Parce que sous ma présence, ancien président, ils étaient payés. Moshab, Minakou, ils étaient payés. Kamerhe, ils étaient payés. Mais sous Mbosso, ça ne passe pas. Et puis, il y a encore un autre problème, encore entre Mbosso et de mes sources. Hein, j'informe, j'enquête. Avec Matadiwa, Matarsis, les bâtonniers. Papa, Batomoto, Maïe, les noms. Mais tous les députés l'appellent déjà doyen au niveau de l'Assemblée nationale. C'est le doyen d'âge. Depuis la gestion passée, ce combat a toujours existé entre Mbosso et Matadiwamba. Mais Mbosso n'a jamais supporté ça. Le fait des fois, certains députés, Mbosso, Matadiwamba, doyen. Papa, ton côté, mon côté. Papa, ton côté, mon côté. Ils reconnaissent. Ses droits de naissance à Matadiwamba. Et c'est le plus âgé de Mbosso, le plus âgé de Mbosso, si vous ne le savez pas. Mais, je pense que sa non-réélection, à niveau de la Cour constitutionnelle, c'est une des raisons pour que Azoua espace a siégé dans le niveau de l'Assemblée nationale, vu son âge. Parce que le plan Mbosso, le proche Mbosso,
il croit, il pense, estime, j'analyse, je ne confie pas que Soki Matadiwamba, vu qu'il est plus âgé, ça sera lui le président du bureau d'âge. Et Mbosso va reculer. Et même son contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a Matadiwamba, il y a des gens, des émissaires de l'Assemblée nationale, la chambre où est fixé le dossier de Matadiwamba. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que Mbosso a eu un peu ses droits d'aînesse, ses faux droits d'aînesse, plus que Matadiwamba? Vous savez, moi, je suis journaliste d'enquête, d'investigation. Aux élections de 1977. Ah! Moi, j'avais quel âge? J'avais 6 ans. 6 ans, là, l'enquêté. Non, non, pas d'enquêté. Oh! Non! Ah! C'est assez d'ordre. Les Américains exercent la pression sur Mbosso, sur Mobutu, organiser des élections. Nous avons des élections en 77. Ah, oui, oui. Mais la loi disait quoi? Pour être député national, il fallait avoir au minimum 25 ans. Mbosso avait déjà 25 ans de la même. Okay. Alors, mais pour siéger au bureau politique du MPR, il fallait avoir au minimum 35 ans. Que Mbosso n'avait pas. Et il paraîtrait, d'après l'enquête, Mbosso avait la bénédiction du maréchal en ce moment-là. Et du service. Pour trafiquer l'âge. Son âge. Pourquoi ce n'était pas Mbosso? Quand Mobutu voit, il regarde Nabatamba, il y a qui là-bas? Il y avait Mbosso qui était déjà comme les jeunes Turcs. Et Mobutu avait affaire à Mungulu Diaka. À l'époque. À l'époque. Et pour casser Mungulu Diaka, pour qu'il ne siège pas au niveau du bureau politique du MPR, ils ont fait quoi? Les services en ce moment, avec la bénédiction du maréchal, aurait tronqué. Mais ça, tu as dit le journalisme. Aurait. Aurait tronqué l'âge de Mbosso. Pour que dans ma élection, pour que ACG dans le bureau politique, il y a un père. Mais que seulement dans ma 77, il paraît que Mbosso, quand on a la certificat, il y a 77, on a un peu de ACG dans le bureau, il m'a dit c'est âge, pour que ACG la plus âgée que Tarsis Matadi Wamba. Donc, je pense que c'est un peu ça. Donc, Achita, moi, je pense qu'il faut laisser les vieux bâtonniers, Azwa et Bonganaye, et puis le dossier Bahati, il y a un vrai problème avec ça. Je vois, la réalisation nous fait signe, non? Le bipe, c'est ni pas 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 le bipe, candidat gouverneur, vieux, c'est qu'il est qui. Cop, il est qui. Je n'ai pas le bipe, c'est ni pas le bipe, il y a... Pour être gouverneur, bon, c'est en combien? 140 000 dollars. Hein? Ouais. Dans mon 140 000 dollars. Donc, il y a un député mon PC 140 000 dollars. 140 000 dollars. Vous avez un député mon à Tegui Parti pour le Congo central, pour le président Parti, à Tegui Parti pour le député professionnel à 500 000 dollars. Ma Bengani, ma Rosine Bongo, bon, ça me zate. Il faut prendre 140 000 dollars pour faire les choix entre des gouverneurs. 140 000 dollars. C'est tout ça, quand même. C'est grave. Les gens des candidats gouverneurs peuvent faire ça là. Pour chuter, il y a un vrai problème au niveau il y a Sénat. Entre Sangouma, l'abbé et Bahati Lukwebo. Ah, tu n'auras jamais un problème. J'ai été toujours dur avec Bahati. Mais pour ça, je le soutiens. L'article 12 du règlement d'intérieur et à Sénat Zolbani. Pour que Bahati, Atika, perchoir. Il faut que le secrétaire général a convoqué bureau d'âge. Il y a Sénat. Mais jusqu'à preuve du combien, le secrétaire général, il y a Sénat qui a convoqué parce que l'élection par sénateur et ça l'est dans le PT. Il faut que le bureau d'âge et ça la remise et reprise avec le bureau sortant. Ce qui n'est pas le cas. L'élection par gouverneur et ça l'est maté. Et ça l'est dans le PT. Ça met dans l'incapacité du secrétaire général. Il y a qu'au sa bureau d'âge. À Beng sa bureau d'âge. Remise et reprise, et ça le mettait entre les bureaux, entre les bureaux sortants. Mais on voit quelqu'un, vous venez vous dire qu'il a commis, présent par intérim, il y a Sénat, Sangouma. Pourtant, il n'est pas. Il n'y a même pas remise et reprise entre Yé, na remplacer à Genève. Non, il doit faire la remise et reprise avec les bureaux sortants. Mais ce Sangouma-là est manipulé par une personne, un jeune turc de l'Équateur. À ce qu'on manipulait pour que ça va des ordres depuis mon équipe. Ils ont recruté des faux agents pour créer des ordres par roi. Donc, jusqu'à preuve du contraire, Bahati reste présent. Alors, on va répondre à la règle. Il faut que le bureau d'âge ait s'installé. L'article 12 du règlement intérieur du Sénat. Tant qu'il s'est installé, il est encore là. Donc, on s'est installé avec l'UNC, moi, ma tata, parce que le caméra est moko, kuna balingi, donc.
Le problème de Kamere, il faut de la vérité aux gens. Les propres frères de Vital Kamere, quand il a gouverné dans l'Ivoire Sud Kivu, a déposé la candidature. Et que voilà, sa propre famille, la famille politique de l'ONU, a décidé qu'ils avaient déjà fait un autre choix. Ceux qui sont sous Kaparwana, je peux s'en mettre à 1 minute 30 secondes. 30 secondes, caca. 30 secondes, il y a un dossier. Je suis dans le bac là. Je peux s'en mettre à 30 secondes, caca. C'est dans le bac là. 30 secondes, caca. 30 secondes, caca. Chuter. Pour chuter, donc, le cas de l'Union, il y a un dossier. Il faut, président de la République, à revoir Snell. Le cas Lucinde. À Koumna Bitumba, na DG, na été Liluamba. Lucinde qui n'est qu'un agronome. Maintenant, à comme qu'on fume dans son adjoint, t'es dit loin bas que il est azo qu'on bloquer ma actionnaire. Comment azo qu'on travaille? Pourtant lui-même, on sait qu'il est agronome, il a été incapable de dépôt porter à la tête de la SNEL, de ne pas gérer la SNEL sur le plan de distribution, production et transport. Il accuse maintenant aujourd'hui son adjoint d'être en complicité avec. Non, je chute, maman, je chute. En deux secondes. D'être en complicité avec l'ancien DG Jean Bosco Kayombo. Pourtant, le problème est ailleurs. Ils allient l'incapacité d'ingestion de l'entreprise par Yemoko Jean Bosco Kayombo, qui aujourd'hui cherche des boucs émissaires pour justifier son incompétence. Merci à la beaucoup, tête Yves Bouya. Merci en tout cas. Merci Nabao Bakolanda Biso. Merci, merci Mingi. Vous likez, vous partagez la Lyon TV officielle, les alliés Abino. Likez, partagez, abonnez-vous massivement. Merci à ma chaîne partenaire. Merci à Abino Nyon Sobao Bakolanda Biso. Non, on a mis ça dans ma combo, mais ma combo est Gouya Kakabe. Donc, avec le temps, on remet ça dans la coupe. Sabino Bakombo. Je dis bonjour à quelqu'un que je porte beaucoup, au président Seth Kikuni. C'est très important. Campagne na Katumbi. Oh. Ça c'est un secret. Peut-être que moi je veux dire je t'en donne pas des campagne. Il y a Katumbi na cette qui connaît. Bon ça la biseau à table documentaire. J'ai vécu ça. Katumbi partout place à Bokita. Il faisait 30, 35, 40 km à pied. C'est arrivé. Mais... La seule personne qui faisait ces vêtements, c'était cette Kikoumi. Oh. Dieu m'a tant parlé. La seule personne, à la sportive, je ne sais pas si les sportifs. Ceux qui a quitté Abani Makato, Abani Makolo, de l'aéroport, jusqu'au lieu du mythique, ça faisait peut-être pour la plupart 32, 40 km à pied. Au moins, on attend ma courant à tous nos vieux politiques, on va soutenir à Katoum, on va soutenir à Katoum. On va tamboli. Eh, Moutouka, Mamati. Eh, Moutouka. Quand Katumbi marchait, attendu gauche, droite, il ne voit que 7. Il ne voit que 7. Donc, comment la. Et ça, je dis, comme la Tanganyika. On arrive au niveau de Tanganyika. On t'en sait l'émission, mon bimba, sur ça. Hein? T'en sais l'émission, mon bimba. Tu vois, là, cette qui coule sorti, bye bye, bye bye, bye bye. Pour ça, je lui dis, président, vous êtes fort, vous êtes un homme. Et vos convictions, Naibouya, Nandimakiam. Merci, président, et bon et à la prochaine.